Je croirais sur la précasse que j'avais le droit de m'entailler. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça peut aller pour moi. Alors, le jeu a été... confirmé comme acheté hein, sur Amazon. Je parle de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 qui devrait arriver le 10 mars. Je me suis fait 6 de Fairy Tail. Être un grand fan de Fairy Tail, je me devais de continuer la collection et qui va quand même jusqu'au 54, je crois, en ce moment. Il me semble que c'est ça, c'est 54. Et donc voilà. Ensuite, pour le fond vert, ben, ça va être fait aussi. Hein, ça sera livré entre le 10 et le 15 mars. Mon fauteuil arrive dans 2 jours. Ça va être génial. Et j'ai commandé mon deuxième écran 24 pouces. Ça y est. Alors, ce sera exactement le même que j'ai pris. Hein, un Samsung SD24 390 HL. Un très bon écran. Donc voilà, et celui-là il sera en VGA par contre parce que je n'ai pas la sortie HDMI pour un autre écran. Ce qui est très chiant. Vraiment très chiant. Enfin bref, on fera avec. Et donc voilà, alors aussi, je me suis renseigné sur cette quête de Black Lotus. Hein. Bon ok, j'ai un petit peu triché, c'est pas le trichon. Hein. Mais le plus c'est un personnage qui a été. Invoqué, enfin invoqué, qui a été implanté dans un OAV de Sword Art Online, hein, Sword Art Online Offline. Du coup, ce personnage est juste un bonus DLC qui a été ajouté dans les versions finales de Sword Art Online Europe. Et de ce fait, vous pouvez jouer ce personnage. C'est pour ça que le personnage possède aussi l'épée du GGO. On se demande pourquoi d'ailleurs. Enfin bref. Et concernant Excalibur, alors Excalibur c'est notre histoire. Excalibur, on a fait une partie de la quête. Mais les quêtes s'arrêtent là. On a aidé Loki, on a battu Odin. Fin d'histoire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir Excalibur, il y a deux façons. En faisant des quêtes de niveau supérieur, donc la quête Ragnarok, que nous allons refaire, et que nous allons essayer de débloquer. On va essayer de récupérer cette fameuse épée légendaire. En faisant la quête de Ragnarok. Et comme vous le savez, cette quête est assez difficile. Et c'est la seule façon d'obtenir l'épée, hein. C'est la seule façon. Donc ben, on voit qu'on arrive carrément à la fin du live de Sword Art Online. Hein. Là, ce sera les derniers jours de Sword Art Online, je pense. Donc ben, il ne reste plus grand-chose à faire, hein, par les quêtes. Hein. On n'aura plus grand-chose à terminer. Donc voilà. Alors, Ragnarok. Ragnarok. Où est-elle? Épée d'urgence. Ok. Ragnarok. Ah, c'est 4 bonus. Non, c'est ça. Hein, what? Allô? Hein? Oui, ah, voilà, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là qu'il faut faire. Pour avoir Excalibur, en fait, il faut faire cette quête. C'est assez rare de l'obtenir. Hein. C'est une épée très rare. Mais c'est la seule façon d'obtenir la quête. Et pour Black Lotus, comme je vous l'ai dit, hein, en faisant la quête de Black Lotus, c'est-à-dire noir et blanc, Kuroyukihime, qui est le nom de Black Lotus, Lotus noir. Eh bien, vous obtenez l'épée de GGO hein, et aussi les composants pour pouvoir la forger. Donc voilà, il n'y a pas de grosse quête d'Excalibur dans le jeu Sword Art Online Lost Song. Ce qui est vraiment dommage. Ce qui est dommage parce que quand on regarde par rapport au manga ou l'histoire en animé, hein, elle est terriblement longue et ça pousse carrément jusqu'à aller au fin fond du jeu en lui-même. Donc voilà, c'est dommage, hein, c'est dommage de la part de Bandai Namco de ne pas avoir approfondi la quête de Excalibur. Enfin voilà, c'est pas grave, allez, on va finir, on va essayer de la dropper cette épée légendaire. Et il y a deux épées en fait avec Excalibur, vous avez la normale et vous avez la spéciale. Et la spéciale s'obtient uniquement quand vous détruisez c'est Champ de Volonté Infernale qui s'appelle la quête. Donc voilà, donc vous avez maintenant... le résumé de tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas vraiment de grosse quête hein, sur Excalibur ou sur le Lotus Noir. C'est juste un personnage bonus, le Lotus Noir, hein, qui a été implanté en tant que DLC. Voilà.
Voilà. Alors pour Naruto, je rappelle, à partir du 10 mars. Hein. Et après, on verra ce qu'on pourra faire derrière. Hein. Travailler un peu plus facilement. Pardon. Sur XSplit, je le recevrai d'ici une semaine. Bon, du coup, voilà, côté matériel streaming, j'aurai largement de quoi tenir. Allez, c'est parti. Ah, super, on va déjà se déplacer. Allez, où? Bonjour, madame. 2700, hein. Ah, mais arrête de bouger, tu me saoules. Son père. Voilà, bien. Ah, elle m'a ralenti, elle vient. C'est vraiment dommage hein, qu'il n'y ait pas de suite de quête hein, pour Excalibur. C'est juste le fait de faire cette quête hein, pour débloquer l'épée en question. Voilà. C'est juste un bonus, juste un simple bonus. Je m'attendais à mieux un petit peu, mais bon, on a quand même eu beaucoup de choses. Hein. Oh, vas-y. Pendant ce live de Sword Art Online. Hein. Du coup, voilà. Voilà, ouais, on se calme là, merci. Oh putain, mais t'es chiante là, franchement. Hein. Tu vas te calmer dans mon rue. Et vite. Oh, vas-y, elle me saoule avec ce paradis de merde. Ah, ça, le seul truc que j'ai toujours détesté, c'est les caméras dans les RPG. Il y a toujours des soucis de caméra. Et même là, bah, on a des problèmes de caméra. C'est le seul inconvénient de ce jeu, c'est la caméra. Vous pouvez pas la verrouiller. Parce que quand vous allez essayer de bouger la caméra, en même temps de verrouiller, ça va changer sur le nom des monstres à combattre. Et c'est vraiment super chiant. C'est le seul blague que je peux donner à ce jeu. Le seul. Non, tout le reste est lourd. La caméra va complètement vous pourrir la vie. Bon, je fais un peu de la merde, c'est normal. Hein. Je me suis levé il n'y a même pas une heure, donc... Enfin, si, il y a une heure et quelques. Et c'est bon, j'ai confirmation comme quoi tout avait fonctionné. J'en ai marre de cette quête, je joue déjà. Cette quête, je joue déjà. Putain de... Comment ça me fait chier, les tas de morues, là? Un milliard de trucs à la seconde là. Au lieu de faire ça, ils auraient dû faire une suite de quêtes d'Excalibur, mais non! Ils ont fait de la merde! J'espère que pour le prochain Naruto, ça va pas être un truc comme ça, parce que c'est le cas. Naruto, vite! Il faut battre 5 milliards de ninjas pour défendre le village Konoha! Hein? Mais c'est pas dans le script! On s'en fout! On fait! Donc, ça commence à me saouler là, mon rue. Hein. Tu vas être calme un peu, toi, et vite. Voilà. Putain de vieille molette. Xo, baba. Elle est où? Oh, vas-y, ça me saoule les milliards de mobs là. On se croirait dans Metroid Prime tellement il y a ces saloperies de volante. Là il est game tueuse, c'est exactement le même genre. Oh vas-y. Caméra qui pue la merde. Mais c'est pas encore fini, hein, il y en a d'autres. Bon, elle est où? Oh genre tu vas saouler toi hein. T'es à balle. Mais ça fâche toi. Arrête de bouger, moche moche. Moche moche, hein, quoi, allô. Ah, elle me saoule avec ses paralysies de chiottes. En plus, elle est nulle, alors qu'est-ce qu'elle m'en mette?
Puisqu'elle a 100 milliards de mobs à côté d'elle, du coup, elle me saoule en boucle. Oh. Et c'est ça, fait des effets de toupie. Mais pute! Tu commences à me bander la morue. Mais vraiment me saouler là. Ah, mais putain! Alors, ce boss il est gavant parce qu'il fait que bouger, que bouger, que bouger, que bouger. Super chiant. Il est nul, mais super chiant. Oh punaise. Voilà. Ah t'as la rage maintenant, allez dégage. Toi aussi tu m'as gavé. Non mais j'ai pas fini. Ah super, vas-y. Bon, you lucky. Ah ils sont... Ah bah d'accord. Ça commence bien. Ah j'ai un milliard de trucs sur moi là. J'ai baisse de vie, baisse d'attaque, baisse de défense. Ça va sinon les boss. Hein. Déjà s'occuper de Loki. Ah mais vas-y. Bon vas-y, ça va me saouler là, je vais les défoncer parce qu'ils commencent vraiment à me faire chier jusqu'au bout. Vous voulez me saouler, pas de soucis, vous allez me trouver. Allez. C'est vraiment me gaver. Arrêtez de bouger, bordel. Ils sont très chiants. Ah quoi? Mais what the fuck là, vu que tu fais des attaques comme ça, toi, baisser ma vitesse, baisser ma garde. Tu faisais pas ça hier et là comme par hasard, t'as des trompes au cou et tu me fais ça. Non mais oh, tu te prends pour qui là? Comment ça me dormir? Tu fais ton kikolol, c'est ça? Dégueule. Voilà. Putain, je prends trop de dégâts, c'est quoi ce délire? Casse-toi la morue. Ça a été la grosse semaine de merde en tout cas pour moi. Hein. Jusqu'au bout, les gens ils m'ont fait chier. Alors quand c'est pas Ikikulol, c'était carrément mon examen. Quand c'est pas mon examen, c'était ma bagnole. Hopé. Tu vois que t'es nul, c'est pas compliqué. Ça, lâche-toi. Ouais, ouais, ouais. Ah bon ça. Quoi? Mais lol. Voilà. Oh mais vas-y, casse-toi. Mais what the fuck. Putain, caméra de merde. Putain, mais quelle grosse caméra de merde, sérieusement. Y'a que ça, ce jeu qui est chiant, la caméra. Elle pue la merde, la caméra. Oh, putain. Asuna. Ah mais je vais perdre à cause de la caméra, mais what the fuck. C'est n'importe quoi. C'est du gros troll des fois. Allez, allez. Mais lol.
Ah mais lol. Allez! Tu peux gérer, tu peux gérer. Elle est où? Ah, je vois rien avec cette caméra de mort. Tu peux faire ça. Elle est où? Elle est disparue dans le code. Mais quoi? C'est vraiment une quête de merde aussi ça. Ils vous mettent un milliard d'invocations, comme ça ils vous font bien chier jusqu'au bout. Bah c'est quand vous voulez hein. Lol. J'hallucine. Je suis mort à cause de la caméra. J'hallucine. Non mais putain de caméra, mes couilles sérieux. Non mais sérieux, je suis mort à cause de la caméra. N'importe quoi. Putain. Oh là oui, là, je suis vraiment en furie. Je vais les défoncer, ils vont commencer les couilles avec leur caméra de merde. Putain, attends, la saloperie, je vais défoncer ta race. T'as voulu me casser les couilles, je vais défoncer. Dégagez ma voix. T'as de monstre. Mais bien sûr, oui. Putain. Ah ça, je veux pas le digérer le coup de la caméra. Ah, ça, je veux vraiment pas le digérer. Putain, pas à cause d'une caméra, mais n'importe quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Sur Tales of Vesperia, j'ai aussi eu le problème. La grosse caméra de chiotte. Putain, il peut pas faire un effort là, quand il crée un jeu, de régler les problèmes de caméra. C'est toujours ça qui pourrit les bons jeux. Je me saoulais longtemps dans la mort. Pas la maline avec moi. Alors ça fait quoi de se faire démonter la gueule hein? Shut the fuck up. Bordel de caméra de merde. Allez, du volet. C'est bon. Oh, je vous jure, la caméra des fois elle va vous hanter. Hein. Rendre la grosse merde. Et dites-vous bien que Naruto Shippuden Ultimate 4, hein, c'est aussi un jeu Bandai Namco. Bandai Namco, pardon. Alors, méfiez-vous ce qui peut arriver derrière. Oh
Il va me la donner, Excalibur, c'est moi qui te le dis. Alors ça fait quoi de se faire défoncer complètement la gueule, hein? Je vais te faire prendre la coffre, viens là, tu vas voir ce que je vais te faire pousser, moi. Ah, je vous ai dit qu'il faut jamais énerver les Japonais, parce que je peux vous dire qu'ils sont redoutables. Non, ton tour. Kagatte go ikusan. Moito sende. Ouais, 9000, tu me surpasseras pas. Comme j'ai dit, c'est pas le level qui fait la différence. Il y a réflexe derrière. What the fuck, d'où tu passes dans mon OSS, quoi? N'importe quoi. Ça passe jamais, et là, comme par hasard, ça passe. Oh, le gros fake. Ah, jusqu'au bout, ça aurait été la semaine de merde. Hein. Désolé pour ça, mais franchement... Là, s'il y a un Kiku qui me tombe dessus ce soir, je le bouffe sur place. Je crois que son PC, il va partir en fumée. Bien. Ça fait quoi de se faire démonter? Hein? Voilà, tout est dit. Excalibur, je mérite, hein. Allez,
Ah, j'avoue. Mais genre... N'importe quoi. Ça devient du gros nam des fois, je te jure. Non, on est pas comme ça. J'ai tanké à 1500 et comme par hasard, ami, je le tanque pas. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Ça fait une légite. Tentacule de mort, elle commence légèrement à me gaver là. Ah là là, les semaines de merde. Ah, je vous les souhaite pas honnêtement. Je vous les souhaite vraiment pas. Parce que je vous jure, c'est une horreur à supporter. Un peu comme vous payez souvent des cons sur le chat. Ils font les tout gentils et après ils vous sortent des gros insultes de gros qui coulent. Tellement drôle. Ça va pas comprendre. Tiens, voilà ça. J'en fous de la paix, oui. C'est bon. Oh punaise. Ah bah tiens, en plus la qualité elle déconne sur le live. Magnifique. Grosse qualité de merde. Ah bah j'ai la totale aujourd'hui, hein. J'ai vraiment la totale. La grosse qualité toute pourrie. What the fuck? Pourquoi ça me fait ça? Ils commencent à me bander avec leur serveur aussi chez Sony là. Hein? Ils nous disent, vous pouvez twitcher, y'a pas de soucis. Ouais, bah c'est clair, la qualité de merde que ça sort aussi. Ça fait peur. Alors, est-ce que c'est revenu à l'heure normale? Oh là là, c'est horrible. La qualité, elle est horrible. Putain, pourquoi ça me fait ça? Ça devient chiant la longue. Je vais finir par changer d'opérateur. Je vérifie mon réseau. Ce que ça donne. C'est très saoulant en tout cas. Vraiment très saoulant. Que ça vous bouffe la qualité comme ça. Ça devrait même pas exister. Je crois qu'en fait, Sony vont finir par couler du niveau des consoles. Parce que déjà, ils nous filent des jeux de merde sur PS4. En plus, ils ont des serveurs qui tiennent pas la route. Ils nous font payer des abonnements qui, au final, voilà. Ouais, j'ai vraiment un souci de ligne, pas possible. D'habitude, j'ai 100 mégas, là, je me retrouve à 47. What the fuck? Fous de ma gueule. Bon, je vais changer de rappeler mon FAI. Ah, désolé pour la qualité d'image, hein. Là j'y peux rien. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, ils n'ont toujours pas saisi. Enfin bref, pas grave. On fait avec. Des débiles, ça reste des débiles. La seule façon de faire changer d'avis, c'est de remettre des claques dans la gueule. Alors. Là. On va pas voir la quête. Faut voir ce qu'on a eu comme, comme arme. Une épée étonnante. Je pense pas que ce soit Excalibur, ça m'étonnerait. Bon, voilà, c'est la seule façon d'avoir Excalibur en fait, c'est de faire cette quête en boucle. Cool, hein. Exactement. Kersé, 58. Oh putain, Excalibur! Genre!
Oh la grosse chatte! Oh la grosse chatte! J'en reviens pas! Ils m'ont cassé les couilles en boucle, tout ça pour ça! Mais les bâtards! Genre Excalibur! Non! Oh punaise! Nice! Bon, je vous pardonne. Non, Excalibur! Trop bon! Elle est où? C'est une épée 2, mais je suppose. Oui, et non, elle est là. Comme dans. Oh là là! Comme dans l'animé. La même forme. Magnifique. 1000, 1100, épée en 10. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. 1100. 1090, 1200. Putain, Excalibur. Ah, je perds un petit peu en puissance, mais c'est pas grave. Oh là là, Excalibur. Sans deck. En plus, j'ai un trophée derrière. Alors, je vais voir ce que c'est le trophée. 2 secondes. Ah, il y en a qui vont rager là. Mais on va Excalibur. What? Non, c'est pas possible. J'ai fait des heures et des heures. J'ai passé des heures complètes. J'ai passé des jours complets pour l'avoir. Et lui, là, comme ça, en claquant des doigts. Rage pas. Je suis Lady Luck. Alors, je regarde les trophées. Alors, le trophée. C'est un trophée caché en plus. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un trophée caché. Trophée masqué. L'épée du roi, l'épée des rois, obtenez Excalibur. Rare. Il y a 24% des joueurs de Sword Art Online qui l'ont obtenu. 24%, c'est pas énorme. Nice. Ah, ça fait super plaisir. Enfin Excalibur. Enfin je l'ai entre les mains. Parfait. Alors vraiment désolé pour la qualité d'image. Hein. Ça a l'air de s'être stabilisé. Bon, faut dire aussi qu'il y a pas mal de vent en ce moment dans le sud, donc les lignes tanguent un peu. Et évidemment, quand ça tangue, ça fait de la qualité de merde. Vous savez quoi? Bah, je vais relancer. Je vais relancer le live. Comme ça, je pense que ça va stabiliser le défaut. Allez, à de suite.